Tu vois comment on fait ça.
como se te va. Thank you.
Allez les mecs, hein, ça fait costaud. Allez Ben. Est-ce que t'as vu comment je suis là?
croisé. Ouais, ouais. Aïe Maxou. Ça va, ça va. Ouais, tu vois. Ouais, ça va, c'est ça. Écoute, là, ils ont gagné le premier match et ils sont sur le match qui va savoir si ça va les sortir ou pas. On a eu une bonne TC au premier match. On a eu 3 centièmes et 3 centièmes. Ah, ça va, j'ai arrêté. Complètement. Si on a regardé, même une qualité, il va sortir, ça peut sortir pareil. Et là on joue des en deux, hein. Et des Parisiens en deux. Ou là-bas, ou là-bas. Fais gaffe, tu en arrives plus vite. Le temps au deuxième match. En direct live. Non. PC en direct live. Oh, c'est bon ça. Ça c'est bon. Tu sais, il y a toujours un match bidon. Tu sais, à 11h à chaque fois, tu as 150e mondial qui se fait. C'est pas 11h, il est 13h. Non mais c'est bizarre c'est d'avoir joué tout à la suite. C'est bizarre, on joue avec 14 différents. Il faut que tu tiennes quoi alors. Ah mais il m'a arrêté de dire ça. J'invite tous les joueurs qui sont arrivés récemment et qui ne sont pas encore passés nous voir à la table de match de venir pour régler les problèmes avec les pratiques. Merci.
là, il est sympa. Ouais, c'est sympa. Je vais dire au revoir. Ah ouais. C'est Nicolas Bébé. Allez Ben, hein. Petit sourire, hein. Et les matchs ratés, c'est pas grave, on donnera d'autres. Hein. On joue après vous. Allez gars, vous êtes en direct live. Hein. Direct live sur Paddle Magazine. Hein. Vous pas vous foutre la pression. Mais... performance. On peut dire le nom, parce que sinon... Nicolas Mégis. Ah,
Monaco qui a mené avec. Ça fait, je crois que la fin, c'est ça. Voilà. Se prépare sur le terrain 1. Frédéric Pommier, Benjamin Dizon, Jérémy Dutoit, Nicolas Bégis. Il a de la cam, hein. Il a de la cam, le ministre. Je vais pas arrêter, je suis chaud bouillant. Qui gagne là ? Un jeune. Quoi ? Un 7 partout. Vous avez un 7 partout ? Ouais. Non, je suis pas sûr. Messieurs les contributeurs, vous les fiches, n'oubliez pas de faire tourner les réflecteurs pour qu'ils suivent au parti de bureau. Merci. Comme ça, putain. Je trouve que c'est une fille, mais là. Quand Nico ? Il est quelle heure là ?
Et à chaque fois qu'il revient à la quête, il prend un peu d'argent, j'imagine. Il a fait comment? Ouais, non, il a juste mis la main dessus, je crois. Ah oui? Oh merde. Enfin, un gros cul. Ouais, bah, c'est pour autant. C'est énorme, ça. Bon, ça commence cette barrière ou pas? Putain, non, ça commence pas, putain. Pourquoi? Ça casse les couilles. Putain, mais attends, ils ont fini celle du bas. Pardon. Ça, c'est pas... Il touche à rien. Non, mais s'il vous plaît, on va essayer de s'en occuper. Si on peut ne pas aggraver le problème, je serai parfait. Donc, ça tarde un peu à commencer. Ouais. Comment? Alors là, il demande un papier au constructeur, qui n'existe pas. Donc, le constructeur est marqué. Il donner une preuve de. C'est pour la compte, une preuve de remboursement d'accompte, mais c'est pas qu'il a comme ça. Il va vous donner une preuve de remboursement d'accompte, alors que le client, il a pas déjà compte. Tu vois, à côté, t'as la barre. Une bonne paire. En fait, si t'achètes deux séries à Bastien et Serwis, en fait, vu qu'il y a une paire espagnole qui s'est rajoutée apparemment, on peut aller en fait. Oui, ça se fait. Oui, ça se fait. Bastien. Je ne risque pas de vous mettre en chemise.
Oui, il a compris. Je pense que... En plus, il fait des mails derrière, il dit attendez, je vais passer un peu, je travaille dans la même. Tu vois, il y a 5-0. Pas loin, mais par contre. C'est bon, ça va arriver, mais ouais, il va avancer. Ah, bah voilà. Hein? De dire des conneries donc Thank you.